Alain Fernagu. David Relton était anglais. Il était né en 1874 dans la banlieue nord-est de Londres. Il était prêtre anglican depuis 1909 et il devint aumônier militaire en 1911. Lors de la Première Guerre mondiale, David Relton décida d'accompagner les soldats qui venaient en France. Lui-même, arrivant en France le 11 janvier 1916, avec le 18e bataillon du Northumberland fusillé. Partout où il passa, il accomplissait les devoirs de sa charge, en accompagnant les soldats, les réconfortant, les rassurant, leur donnant les secours de la religion et en assurant les célébrations lors des inhumations des soldats tombés au combat. En juillet 1916, David Relton se trouvait à Erquinghamlis. C'est en revenant du front où il était allé enterrer les restes d'un camarade qu'il traversa le cimetière pour regagner son logement et qu'il aperçut une croix sur laquelle était inscrit un soldat inconnu du régiment Blackwatch. Il se demanda qui pouvait bien être enterré là et qui pouvaient bien être tous ces soldats décédés, morts un peu partout, dans des tombes sans nom. Il se dit qu'après la guerre, les familles viendraient se recueillir devant les tombes de leurs proches. Mais que feraient les autres, celles qui n'auront pas de tombe devant laquelle s'incliner? C'est alors qu'il eut l'idée qu'il fallait ramener un corps de soldat inconnu dans son pays natal et de l'inhumer dans l'abbaye de Westminster. Alors il écrivit au général en chef Douglas Haig pour lui exposer son idée. Mais il ne reçut pas de réponse. Après la guerre, David Relton fut nommé vicaire à Margate, une ville du comté de Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. En août 1920, il se décida à écrire à l'évêque de Westminster, Herbert Ryle, pour lui présenter l'idée qu'il avait toujours en tête. Il fut séduit et il écrivit au Premier ministre, Lloyd George, pour lui présenter cette idée. Et après quelques échanges entre le Premier ministre et le palais de Buckingham, l'idée fut finalement acceptée en octobre 1920. Le choix du soldat inconnu se fit à Saint-Paul-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais, dans la nuit du 7 au 8 novembre 1920, par un officier ayant les yeux bandés, au hasard, parmi quatre corps exhumés et non identifiés, provenant des champs de bataille de l'Aisne, de la Somme, d'Ypres et d'Arras. Le cercueil fut ensuite conduit à Boulogne-sur-Mer, puis placé dans une chapelle ardente du château et gardé par des poilus français titulaires de la Légion d'honneur. Ensuite, le cercueil fut placé sur un destroyer, le destroyer HMS Verdun, pour traverser la Manche, et par le rail de Dover à Londres. La cérémonie d'inhumation du soldat inconnu se fit le 11 novembre 1920 dans la nef de l'abbaye de Westminster. Le cercueil passa entre deux lignes de 96 hommes, parmi lesquels se trouvait Arthur Poulter, celui-là même qui obtint cette médaille pour sa bravoure à Erquinghamlis le 10 avril 1918 lors de la bataille de la Lys. Ce même jour du 11 novembre 1920, le corps du soldat inconnu français, choisi parmi 8 hommes, 8 corps provenant de 8 secteurs du front, fut placé au Panthéon avant d'attendre sa tombe définitive sous l'Arc de Triomphe à Paris le 21 janvier 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, David Relton se retira en Écosse avec son épouse. C'est là qu'il décéda en 1955 à Fort William, en tombant accidentellement d'un train en marche. Pour rappeler que le révérend David Relton fut à l'origine de la tombe du soldat inconnu, la commune d'Erquinghamlis a érigé un mémorial derrière l'église Saint-Martin le 10 juin 2011. L'inauguration de ce mémorial a été faite en présence de la famille de David Relton. Thank you.
cette histoire vous a plu et vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous au musée d'Erquin, d'Erquinghem-Lys. Les entrées sont gratuites. Le musée est ouvert tous les dimanches de mi-mars à fin octobre, de 15h à 18h30, et sur rendez-vous au 06 88 73 90 30. Merci.